homme libre. Toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu entends pour ton âme, dans le déroulement infini de ta lame. Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras. Et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur. Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié, ni remords. Tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. La télé-réalité, Ariana a été à la télé en fait samedi soir dernier puisqu'elle a été en demi-finale de The Voice Kids, et on a aussi une élève qui s'appelle Colline qui est en finale samedi soir en direct sur TF1. Donc on l'encourage bien fort. Thank you.
l'orchestre du lycée. Nous avons eu la chance l'an dernier d'accompagner un merveilleux chanteur napolitain, Walter Ricci, voilà, au Jazz Bowl Festival, qui est organisé en partie par le CIV de Valbonne. Et nous allons vous en donner un extrait. Nous avons la chance aussi d'avoir parmi nous une danseuse et comédienne, Cerise, qui était donc finaliste, vous avez peut-être vu à la télévision, pour parler, c'est ça, parler voix haute, c'est ça ? De lire à voix haute. Oh, give me love, your fresh love.
Merci, merci beaucoup. On a juste une dernière petite chose à vous faire, c'est qu'ils posent tous leurs instruments, ils vous chantent quelque chose, et la boucle est bouclée. Comme ça, tous les musiciens instrumentistes sont aussi chanteurs, et après on vous laisse partir manger. Je sais que vous avez très faim, très chaud. Merci beaucoup pour votre accueil et vos applaudissements. Pardon. Sur ce projet, et puis là encore, bah, depuis la rentrée, énormément de travail à mettre pour une rentrée scolaire, et avec ça en plus, pour vous offrir ce petit spectacle aujourd'hui, assez varié, qui met bien à l'honneur à la fois nos élèves, le travail des enseignants, et puis trois domaines, puisqu'on n'est pas centré sur un seul domaine, mais trois domaines dans les arts. Et Nice est une ville, une cité des arts, on le voit bien, c'est pas simplement
la soca, le beau temps, la mer. Il y a aussi, vous voyez bien, de l'artistique, pas que des maths, bien qu'il y en ait encore beaucoup aujourd'hui. Donc un grand merci, je pense qu'on peut applaudir tous les prochains.